Amis de la Sainte Patate, l'heure est grave. Wargami nous défie, vous défie. Je propose que nous répondons présent pour piller un maximum de trésors. Wargaming et World of Tanks vient de lancer des défis à la communauté et particulièrement à la communauté de la Sainte Patate avec votre dévoué serviteur et je propose que vous répondez présent, que vous m'aidez à attaquer les coffres forts de Wargaming de telle façon à piller un maximum de ressources dont des super chars premium que vous rêvez d'avoir comme le G252U, le 703-2, voire le Bourras. Pour cela, vous devez saisir le code que vous voyez maintenant au sein du site web de Wargaming ou le lien qui sera sous la vidéo, de telle façon à être présent et combattre avec moi ce défi est à dépouiller progressivement. Je vais vous expliquer ces fameux coffres-forts pour avoir un maximum de choses que je puisse redistribuer à la communauté. Le principe du jeu va être assez simple. Vous pouvez soutenir un et un seul héros pour ce défi. Je vous propose votre dévoué serviteur de le soutenir avec le code que je viens de vous mettre quand même à l'écran. Et avec ça, si toute la communauté joue ensemble et on avance de même sens, qu'on fasse des combats au niveau du jeu pour pouvoir gagner un maximum d'avancement, pour pouvoir dépouiller les coffres que j'ai expliqué, les niveaux de coffres forts, on pourra à la fin avoir une distribution générale et je pourrai vous distribuer énormément de choses qu'on trouvera ensemble, faire une distribution, une sorte de méga giga giveaway à la communauté avec une pelletée de cadeaux. Et là, ça dépend entièrement de vous et de votre travail pour pouvoir fouiner, trouver, ramasser un maximum de points afin de pouvoir accéder à l'ensemble des possibilités du fameux trésor qui se trouve sous Wargaming. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on joue ensemble et il y aura un système au niveau de cet événement pendant les fêtes de Noël où on va jouer de manière commune notaire tous ensemble pour gagner un maximum de points. Donc le système est assez simple. Vous saisissez le code que je viens de vous montrer depuis tout à l'heure au niveau de la page web de Wargaming. Avec ce code-là, vous rentrez dans le concours avec moi parce que naturellement, j'ai participé et on va cumuler un maximum de points. En cumulant ces points, on peut les avoir soit en mettant le code, vous gagnez 3 points pour la communauté parce que c'est un jeu communautaire, on joue tous ensemble. Ensuite, vous gagnez des points en faisant des batailles, vous gagnez des points en gagnant des batailles et on va progresser au niveau d'une barre d'enfouissement, de progression. Et à chaque fois qu'on dépasse un certain seuil que vous voyez, on va atteindre les fins fonds des trésors de Wargaming pour avoir de plus en plus de possibilités de loot, de cadeaux que je peux offrir. J'ai un pactole disponible à la fin pour vous les amis et ce pactole va dépendre comment vous arrivez à farmer les batailles, farmer Wargaming, à faire les gagner simplement. Et avec ça, en faisant les différentes étapes du coffre-fort, j'appelle ça un coffre-fort parce qu'il y a tellement de trésors derrière, je pourrais vous donner de plus en plus de choses. Et si on atteint le dernier seuil du coffre-fort, je pourrais donner les fameux gros loot des premium tiers 8 comme l'objet 252 Hull, 703-2. Je sais que vous en rêvez, vous en voulez. Moi, je voudrais vous donner tout ça. Et je distribuerai tout ça début janvier avec l'autre événement qui est en cours. Je vous rappelle que j'ai fait un petit événement sur le KV2 moi-même, que je distribue des petits cadeaux. On m'a un peu aidé là-dessus. Mais bon, regardez, donc il y a deux événements parallèles, mais ça, c'est un événement communautaire et je trouve ça génial parce qu'on va tous contribuer ensemble. Et au fur et à mesure, les progressions sont visibles sur mon Discord, sont visibles sur mes live Twitch. Et progressivement, à chaque fois qu'on gagne des points, il y aura des étapes, des milestones qui seront affranchis. Vous voyez les chiffres. Et du coup, je pourrais offrir de plus en plus de cadeaux intéressants à la communauté. Et j'espère que ça va vous plaire. Comment ça fonctionne pour pouvoir faire cet événement? Bah, c'est simple. Déjà, vous saisissez le code. Ça, je vous l'ai expliqué 1000 fois. Faites-le maintenant. Ne pas oublier. Vous pouvez naturellement soutenir un autre héros de cet événement, mais ça sera pas pour moi. J'en ai légèrement déçu. Mais bref, vous pouvez le faire si vous voulez. Et du coup, en faisant ça, vous allez adhérer au programme de distribution de bas sur Wargaming de telle façon à piller leur trésor. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, je pourrais distribuer à ceux qui participent. Et moi, j'insiste. Hein, je vais vous expliquer après comment je vais redistribuer les loots, les trésors de guerre qu'on va capturer à ceux qui participent. Donc, si on franchit uniquement l'étape ensemble parce qu'on n'arrive pas à descendre au niveau du trésor et on franchit que le premier sas, je pourrais distribuer uniquement des kits de réparation, des kits de soins, des choses comme ça. Ah, c'est pas terrible. Si on arrive au niveau 2, je pourrais vous proposer des réserves personnelles, des petits jours premium, ça sera sympathique. Et en location, uniquement en location des chars, mais ça, ça m'intéresse pas du tout, du tout. Par contre, si on commence à aller plus loin ensemble et franchement, on commence à franchir des étapes parce que vous jouez, vous gagnez, on gagne ensemble, je pourrais offrir une pelletée de skills 2D, notamment le hot dog. Bref, c'est pas forcément ce
qu'il y a de mieux, mais c'est ce qu'il y a de plus drôle en tout cas. Et je pourrais continuer comme ça. Non, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on atteigne ensemble le niveau 4, voire le niveau 5. Avec le niveau 4 au niveau du coffre-fort, je pourrais offrir un max de véhicules premium à la communauté. Des TOC 2, je sais que vous en rêvez tous, mais aussi des Eagle, des SU 122, bref, des 112, des ELC Even 90. Vous avez bien compris, si on atteint ensemble le niveau 4, je pourrais offrir ce genre de choses. Et enfin, si on va jusqu'au bout, si on arrive à franchir toutes les étapes et qu'on creuse jusqu'au fin de ce trésor pour dépouiller Wargaming, je pourrais offrir avec le niveau 5 le Scorpion G, le Bourrasque, le Renegade, le SU-130PM pour de vrai, le Objet 232U et le 703-2. Bref, une pelletée de choses. J'aurais un budget monstrueux à vous donner là-dessus. Gardez à l'esprit que je veux qu'au maximum, ça soit des gens qui ont participé, qui puissent avoir les loots. Donc du coup, je ferai distribution au hasard et je ferai un mix entre ceux qui ont participé et ceux qui se sont énormément impliqués. Je mettrai les détails sur mon Discord, mais en gros, il y aura une sorte de une visibilité de ceux qui farment le plus, on va dire, l'événement, que je pourrais mettre sur mon Twitch et que je mettrai sur mon Discord aussi. Et si vous êtes dans les 50 premiers, je vais vous privilégier aussi des cadeaux pour vous remercier d'avoir joué l'événement. Mais tout un chacun, je distribue entre ceux qui vont farmer à fond, ceux qui ont juste participé, et on verra pour le dernier tiers comment on fera la distribution. Mais ça, cette idée, et je mettrai tous les détails sur mon Discord. Mais gardez à l'esprit que vous avez une grosse possibilité. Plus vous investissez, plus vous avez de chances de gagner quelque chose. Et je demanderai à la communauté surtout qu'est-ce que vous voulez avoir comme loot à la fin de l'année, quand on verra combien de fois, combien de choses on a pu cumuler ensemble, qu'est-ce qui vous intéresse à gagner. Peut-être que vous me répondrez tous, on veut uniquement des chars premium de haut tiers, ou on veut juste les 2D du hot dog, enfin je sais pas quoi, ça sera comme vous voulez. Bref, c'est un événement qui commence dès le 1er décembre, c'est sympathique, moi je trouve ça trop drôle, je vais farmer à fond ça pour vous la communauté, parce que je vais rien gagner là-dessus, et j'espère que ça va vous plaire. Donc s'il vous plaît, saisissez aujourd'hui le code, et de demain nous allons progresser ensemble dans cet événement pour pouvoir fouiller, gratter et avoir les 5 niveaux du coffre-fort de Wargaming pour faire sauter la banque.